l'exploit de Thomas Coville. Il boucle son tour du monde en solitaire en 49 jours. Le skipper de saut de bow ultime est arrivé ce dimanche 25 décembre vers 18h à Ouessant et a bouclé son tour du monde à la voile en solitaire en moins de 49 jours. Il établit un nouveau record. Thomas Coville a laissé éclater son émotion et ses larmes, ce dimanche matin, lorsqu'un avion de la marine nationale l'a survolé pour lui souhaiter la bienvenue dans les eaux françaises. C'est à 17h57 qu'il a bouclé son tour du monde en solitaire arrivant à Ouessant après 49 jours sur les eaux, soit 8 jours de moins que le précédent record. Thomas Coville, 48 ans, a franchi la ligne d'arrivée virtuelle du tour du monde à la voile en solitaire avec environ 7 jours d'avance sur le précédent record, soit en moins de 50 jours. Le temps de référence actuel avait été réalisé en 2008 par Francis Joyon, qui avait bouclé sa boucle sur le multicoque deck en 57 jours et 13 heures. Coville, qui a touché les vents de la dépression qu'il était allé chercher au nord des Açores, réalise depuis vendredi des moyennes ahurissantes pour un solitaire, relevait son équipe. En 24 heures, il a ainsi parcouru plus de 650 milles, soit un 200 km. Selon son équipe, il devrait donc réaliser le chrono inimaginable de moins de 50 jours. C'est la troisième fois que Thomas Coville tente de battre le record du monde du Tour du Monde à la voile en solitaire, après 2009 et 2011.